We're just about to kick off in about 1 minute when Commissioner Breton arrives in the... Nous attendons monsieur le commissaire Breton avant de démarrer. Je vous demande de mettre vos téléphones portables sur silencieux ou mode avion et je vous demande de vous munir d'un casque pour pouvoir avoir l'interprétation, un pour le canal anglais et deux pour le canal en français, au cas où vous ayez besoin de l'interprétation. Voilà, donc dès que monsieur Breton arrive, nous lançons l'événement. Thank you.
It's a day for the bike, but also you can have an accident. So it's you can take off your mask if you like, because we're going to socially distance. Oui, comme vous voulez. OK. Give me a wave. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous accueillons chaleureusement ce dialogue avec les maires de l'Union européenne. Et nous avons le plaisir d'accueillir en personne le commissaire au marché intérieur, monsieur Thierry Breton. Je suis Mabel McMahon, je suis journaliste à Bruxelles pour Euronews. Et je vais modérer ce dialogue unique pour voir comment les villes sur le terrain relaye les documents de l'Union européenne sur le terrain, s'agissant du pacte vert et de la transition numérique. Soyez tous les bienvenus, en particulier les maires de livingin.eu et mission pour les villes intelligentes et le climat, la neutralité climatique. Nous avons également un représentant de la présidence slovène, mais on va d'abord faire quelques annonces. Cet événement est en français et en anglais. N'hésitez pas à parler l'une ou l'autre langue et vous pouvez également suivre ceci live sur YouTube. N'oubliez pas de parler à un rythme naturel afin de pouvoir permettre l'interprétation de votre message dans sa totalité. Vous pouvez également parler le portugais, l'espagnol et l'allemand. Nous allons organiser notre après-midi en deux panels. Le premier sur la planification et la mise en œuvre du pacte vert et de la transition numérique et comment les économies locales fonctionnent et les pactes verts locaux. Dans le deuxième panel, nous allons voir le potentiel que recèlent les technologies ainsi que les jumeaux numériques pour les villes et le travail en vue d'assurer la transition numérique. Bonjour à vous tous qui êtes dans la salle. Vous êtes la minorité, vous êtes les bienvenus. On aurait aimé avoir une salle bien plus grande avec beaucoup plus de personnes, mais voilà. Les circonstances ne l'ont pas permis. Mais nous avons un événement interactif avec beaucoup de participants sur Zoom et vous aurez l'occasion d'interagir par la suite. Vous pouvez utiliser le hashtag EU Mayors Dialogue ou Digital EU. Voilà. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie de passer une partie de l'après-midi avec vous. Il a neigé un peu ici à Bruxelles ce matin, mais nous voilà. Et je suis ravie que nous partagions ce moment tous ensemble en Europe. Donc soyez tous les bienvenus. Je suis impatient d'entendre ce que vous avez à dire sur cet agenda extrêmement important. Alors je vais commencer par quelques remarques, mais sans être trop long. La première, c'est pour dire que nous estimons que ce dialogue est très important. Dialoguer avec vous, les maires de tout le continent. Parce que nous vivons des temps très particuliers ces derniers temps, ces dernières années. Alors bien entendu, la pandémie que nous avons tous à l'esprit, vous le savez aussi bien que moi, on n'en est pas sorti. Il faut respecter les conditions qui s'imposent à tout un chacun. Il faut vous assurer que dans vos villes, la campagne de vaccination aille de l'avant. Et il faut nous assurer que dans vos villes, vos concitoyens se fassent vacciner. Et nous savons que ce n'est pas chose faite, même si nous sommes le continent où il y a le plus grand taux de vaccination, 76%, mais ce n'est pas suffisant.
et nous savons que il faut que chacun soit vacciné. Toute personne éligible doit se faire vacciner et toute personne éligible à la troisième dose doit la recevoir. Alors, il y a ce nouveau variant, mais bon, ce ne sera pas le dernier, très certainement. Tant qu'il y aura des foyers d'infection, il y aura des variants. Le vaccin fonctionne bien. Les technologies ARM permettent d'adapter le vaccin. Nous avons la capacité de produire suffisamment de doses, même plus que pour couvrir nos besoins. Et nous avons maintenant ce nouveau variant avec quelques cas identifiés en Europe et au cours des semaines à venir, il faudra voir à quel point ce virus est dangereux ou pas. On ne le sait pas à l'heure actuelle. On espère qu'il sera aussi inoffensif que le Delta, encore plus inoffensif, mais il faut encore attendre 3 semaines. Et si un nouveau vaccin mis à jour est nécessaire, il sera disponible dans 3 mois. Voilà, donc pas de panique. Si on a une pandémie, c'est le Delta, c'est pas le Omicron. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner le plus possible. Je sais que vous jouez un rôle essentiel sur ce plan et je vous en remercie. Donc maintenir les distances sociales et prendre les décisions qui s'imposent pour protéger nos concitoyens. Et je vous en remercie parce que c'est important pour tous. Alors nous devons également discuter de toutes les stratégies importantes mises en œuvre dans l'Union européenne à l'échelle du continent, le pacte vert, la transition numérique, tout ce que vous faites pour être plus résilient sur le continent et pour toutes nos chaînes d'approvisionnement. Bien entendu. C'est vraiment la raison pour laquelle je souhaitais dialoguer avec vous, c'est que vous êtes des acteurs essentiels à deux égards. D'abord parce que vous jouez un rôle très important en transformant notre continent avec cette double transition, mais parce que vous êtes en première ligne. Beaucoup de personnes dépendent de ce que vous faites dans vos villes. Et tout particulièrement s'agissant de cette double transition. Et c'est pourquoi je suis impatient de vous entendre, d'entendre vos idées, vos problèmes. Et avec mon équipe, et il y a de nombreux collègues de mon équipe, la DG Connect, la DG Gros aussi, nous sommes là pour vous écouter et pour prendre en compte tout ce que vous nous direz. Quand on parle de pacte vert, de villes intelligentes, de transport à zéro émission de CO2, de véhicules électriques, quand on parle de tout ça, vous êtes en première ligne et vous avez beaucoup de choses à nous dire et nous devons nous assurer que nous sommes dotés des bons outils et qu'on a les capacités de les financer. Le Next Generation EU, c'est le premier de ces outils. Et je suis heureux de voir que beaucoup d'États membres ont déjà réservé une partie de cet investissement parce que c'est ce que c'est un investissement collectif à l'échelle de l'Union européenne. Vous savez, un emprunt sera remboursé par nos enfants, donc il faut être très judicieux. Et ça commence dans les villes, là où vous œuvrez. Donc, je ne vais pas oublier cela. Je ne vais pas parler de tout ce que vous faites, les jumeaux numériques, les modèles de villes à 15 minutes, Amsterdam, Barcelone et ailleurs.
la mission pour 100 villes intelligentes, neutres pour le climat, tout ce que vous faites, toutes les initiatives qui sont importantes pour nous et que nous suivons. N'hésitez pas à faire part de toutes vos expériences et à nous parler de votre initiative avec nous. C'est le moment. Alors, les ressources doivent également être mentionnées, ainsi que les capacités, les compétences, parce que c'est nécessaire pour assurer cette transition. Les hommes et les femmes devront être dotés des compétences pour assurer ces transitions. Avoir les bonnes compétences est éminemment important aujourd'hui, tout aussi important pour l'avenir. Mais avec Nicolas Schmitt, mon collègue, nous sommes ici pour vous aider à accomplir ce voyage. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Pour commencer, c'est un échange, une discussion, et je suis impatient de participer. Et merci encore. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait ces deux dernières années. Vous êtes en première ligne. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'on a dû traverser et ce que vous avez dû faire et gérer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dialoguer avec les maires. Au plan politique, vous êtes les acteurs qui ont le premier rôle. Et vraiment, on ne vous remerciera jamais assez. Voilà, on se tient à vos côtés dans cette lutte et à vos côtés au cours de la transition. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Vous avez la pandémie à l'esprit, c'est le cas de tous. Merci d'être avec nous pour ce dialogue. Et donc, le commissaire l'a indiqué, il est impatient de vous entendre, de vous écouter, de dialoguer avec vous. Voilà. Comme je l'ai dit, nous allons entendre la présidence slovène, ministre slovène de l'administration publique, qui va nous faire part de ses remarques aujourd'hui. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les maires européens, chers amis, permettez-moi ici de vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Cet événement reflète la période que nous traversons aujourd'hui. Il s'agit de trouver une approche qui nous permette d'inclure le secteur public. C'est une transformation numérique dont nos sociétés ont besoin. En Slovénie, nous sommes convaincus que la numérisation va de pair avec la transition verte, avec la santé. C'est un énorme potentiel pour améliorer nos vies. C'est la raison pour laquelle notre présidence de l'Union européenne a mis la transformation numérique, les technologies numériques et la cybersécurité au cœur même de ses priorités. Je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'au Conseil, nous sommes déjà parvenus à d'énormes progrès sur plusieurs actes législatifs. Et cela permettra de parvenir ici à la transformation verte et numérique nécessaire, et cela renforcera l'autonomie européenne dans ces domaines. Les technologies numériques sont largement utilisées et ainsi les citoyens européens peuvent devenir, entre guillemets, intelligents. Je sais que l'avancée vers une société intelligente demande l'implication, l'intégration de tous les acteurs au niveau local, régional, national, européen. Et cela nécessite également un très large consensus. Il faut le promouvoir, le développer. D'où l'importance de ces initiatives comme livingin.eu et ICCI. Le défi des villes intelligentes sont extrêmement importants. Cette déclaration livingin.eu, je l'ai signée cette année en tant que représentant de l'un des trois premiers États membres à l'avoir lancée. Et les villes slovènes sont très actives au sein des deux initiatives. Les environnements locaux, d'après moi, sont très adaptés pour mettre en place des partenariats entre les différents acteurs, pour développer les compétences et pour investir dans les infrastructures numériques. Le rôle de l'État est de fournir un cadre pour ce développement, pour fixer des normes, mais également des lignes directrices.
En ce qui concerne la Slovénie, notre gouvernement encourage les municipalités avec des incitations financières pour trouver des solutions pour les communautés d'utilisateurs. Nous avons promu l'utilisation d'infrastructures, de gestion d'infrastructures et d'outils permettant d'impliquer les citoyens. Des exemples de bonnes pratiques, eh bien, nous pouvons en trouver partout. L'introduction des concepts des villes intelligentes, des solutions individuelles dans les grandes villes. Les Open Data Hub, par exemple, intègrent des entreprises, mettent l'innovation au cœur de nos efforts avec des partenariats innovants. Toutefois, aucune solution ne fonctionnera si les citoyens ne sont pas prêts à les accepter. Tous les acteurs, incluant les utilisateurs finaux, doivent être impliqués dans le processus de numérisation. La pandémie de la COVID a montré que nous devons faire plus. Une interopérabilité minimale, des normes minimales, des solutions uniformisées doivent être mises en œuvre le plus largement possible. Nous avons le réseau des villes intelligentes, ouvertes et agiles qui montre qu'il est possible d'avoir des normes d'interopérabilité. Les villes durables sont la seule solution pour pouvoir réduire les dommages à l'environnement et les répercussions négatives sur un plan socio-économique. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que les communautés de citoyens deviennent ici une rampe de lancement pour ces technologies numériques pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, nous pouvons discuter justement d'éléments très importants pour les villes et je vous souhaite une discussion fructueuse et intéressante. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Justement, tous les acteurs doivent être impliqués dans cette transition et je pense que la plupart des maires le répéteront. Prenons tout d'abord quelques instants pour regarder une vidéo sur ce défi des villes intelligentes. We can meet our mayors and I'm very happy. Je suis très heureuse maintenant d'avoir à mes côtés Monsieur Konstantelos, qui est maire, et vous m'avez dit de le prononcer correctement, de Fari Fula Fouliameni. Vous n'en étiez pas très loin. Vous, Fouliameni. C'est un V, ce n'est pas un F. Ce n'est pas très loin d'Athènes, c'est un endroit merveilleux, oui, nous avons la chance d'être une belle ville, pas très loin d'Athènes, avec une ligne côtière superbe, avec des vallons extraordinaires et une excellente météo. Il fait 21 degrés aujourd'hui et il ne neige pas. C'était légèrement plus froid à Bruxelles aujourd'hui. Bienvenue à Bruxelles. Et à votre gauche, Monsieur Yanko Karasov, qui est maire adjoint de la ville de Sofia.
Merci pour cette invitation. C'est un honneur que d'être présent parmi vous pour partager ensemble nos ambitions, nos objectifs et pour participer à ce dialogue. Nous sommes très intéressés par vos propos d'Avanche. Et en ligne, à cause de la Covid, malheureusement, Laia Banache, maire adjointe de Barcelone. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Jacob Bonsky, qui est le maire de Aarhus. Nous avons François Baron également, le maire de Troyes et ancien président de la Fédération des maires de France. Bonjour. Et Peter Kurz, maire de Mannheim, qui malheureusement à cause d'une urgence Covid ne peut être parmi nous aujourd'hui. Revenons à Athènes. Puis-je vous poser une question, la première question? Vous êtes déjà en train de mettre en œuvre un pacte vert local. Qu'en est-il? Avez-vous déjà vu l'impact positif pour les entreprises et les citoyens? Oui. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants pour cette invitation extrêmement intéressante à participer à ce dialogue. Merci beaucoup. Pourquoi n'êtes-vous pas venu dans notre ville? Je n'ai pas été invité. Mais j'irai. Nous voulons tous y être invités. J'ouvre cette invitation pour tous les participants d'aujourd'hui. C'est une ville agréable, bien située. Et nous essayons de bien nous en occuper. Donc je disais merci pour cette occasion qui se présente aujourd'hui. Depuis le début de 2015, nous gérons cette ville et nous nous sommes fixés certains objectifs pour nous acheminer vers une ville plus efficace, plus verte, plus humaine et plus intelligente. Et pour cela, vous avez besoin d'un plan. Nous avons élaboré un plan très fouillé, en identifiant tout d'abord les besoins de la ville, des citoyens, des usagers de cette ville, les habitants, mais ceux qui visitent notre ville également. Et nous avons commencé à mettre ce plan en œuvre conformément à une théorie de la faisabilité contenant les éléments de coexistence entre l'humain et les autres éléments pour arriver à une durabilité pure et qui réussira. Nous avons réalisé 65% de nos objectifs dans le domaine de la gestion des déchets, d'une production durable, d'une mobilité durable, d'une micro-mobilité durable. Et nous avons déjà vu les résultats. Nous avons réduit notre consommation énergétique de plus de 35% et nous avons défini des objectifs très ambitieux pour ici passer de la mise en décharge à autre chose, c'est-à-dire supprimer déjà aujourd'hui 40% de la mise en décharge pour arriver à 90%. Nous essayons de garantir le financement, mais nous mobilisons les pairs, c'est-à-dire si les citoyens ne s'engagent pas, jamais votre plan, aussi bon soit-il, ne pourra être mis en œuvre. Je viens du monde de l'aviation, je suis pilote de formation et ce que nous disons dans l'aviation après une action, c'est que l'équipage ou l'industrie a fait peu de choses très tard. Donc si nous le ramenons à l'échelle de notre discussion pour le climat et l'environnement, j'espère que nous ferons beaucoup et rapidement. C'est cela le pari d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous avoir parlé de vos intentions. Nous y reviendrons. Maintenant, François Baroin, qui représente ici la ville de tous les maires de France de par son poste précédent. Pouvez-vous peut-être nous parler de cette idée, de cette ville de 15 minutes et qui met l'humain au centre de ses efforts? D'abord, merci pour l'invitation.
Et je voudrais, si vous me le permettez, saluer avec toute l'amitié qui sont les miens, qui m'unissent à Thierry Breton, commissaire ici présent, saluer son rôle comme ancien ministre des Finances sous la présidence Chirac et saluer son engagement plein et entier au service de la cause que nous défendons tous. Et c'est un remarquable commissaire. Je suis très heureux d'être à vos côtés. Je salue évidemment tous les collègues maires. C'est très précieux, ces échanges. C'est une excellente initiative. Et le discours du commissaire Breton est très pertinent sur le rôle et la place des communes et des collectivités locales au sens large, quand on parle de la France, aux côtés des États et aux côtés de l'Union pour effectivement améliorer le quotidien et s'inscrire pleinement et durablement dans une logique de développement durable à tous les étages, dans une logique de protection de notre climat à chaque instant et dans une logique de préservation des générations dans un idéal que nous avons en commun. Pour juste un aperçu de la France, pour bien le comprendre, c'est un pays qui a plus de communes que la totalité des pays européens. Donc on a une organisation, il faut bien avoir en tête, où la moitié de la population française vit dans des communes de moins de 10 000 habitants, et où 37% de la population française vit dans des communes de moins de 2500 habitants. Donc, quand on a cet élément en tête, et quand on a un deuxième élément en tête, c'est que 70% des investissements publics dans notre pays ne sont pas portés par l'État français, par l'État central, mais par les collectivités locales françaises. Et 60% de l'investissement public en France sont portés par les communes et les regroupements de communes. Si je dis ça, c'est que quand on parle d'idées comme celle que, par exemple, porte Paris, d'une ville à 15 minutes, ce qui signifie en fait que c'est une ville des proximités. C'est ça le projet de Paris, c'est que tout ce qui est nécessaire à 15 minutes de chez soi doit pouvoir être trouvé. On parle des services publics, on parle pour toutes les générations et on parle de cette capacité de ne plus avoir à utiliser quelque chose qui aurait un bilan carbone exagéré et qui permettrait avec des mobilités douces d'être justement dans une logique de proximité. Donc cet impact-là, il est valable pour peut-être la dizaine de grandes métropoles françaises. Vous avez Paris, vous avez Lyon, vous avez Marseille, vous avez Toulouse, vous avez Bordeaux, vous avez Nantes, il y a une dizaine qui concentre à peu près une politique de cette nature accélérée dans un temps relativement court, quelques années, peut-être même pas, grâce au développement du numérique notamment, et du développement des services publics à travers les nouvelles technologies. C'est plus long, ce sera plus difficile pour le reste de la France. Mais la tendance est prise et elle est organisée. Si je prends, et si vous me permettez, l'exemple d'une ville comme la mienne, qui fait à peu près 200 000 habitants dans sa logique d'agglomération, nous avons créé une stratégie autour de trois axes. Bien sûr, le développement du numérique pour tout ce qui concerne notamment l'usage rationalisé pour les mobilités douces, pour les transports en commun, avec un projet qui sera opérationnel d'ici 2 ans d'une voiture autonome qui va circuler à l'intérieur de la ville, qui sera une expérimentation relativement unique, en tout cas pour des villes de cette taille, et qui permettra de répondre à cette logique de ville à 15 minutes. Nous avons également une stratégie assez forte, évidemment, de développement durable. Alors, développement durable, c'est tout, c'est un paquet complet, mais avec des déclinaisons. La plus importante étant la préservation, évidemment, des espaces verts, la non-artificialisation des sols, ce qui va poser un problème d'équation entre les demandes de production de logements et l'utilisation des espaces aujourd'hui à vocation agricole, mais qui doivent être protégés. Et puis, tenir compte de l'évolution des fortes températures. Depuis 3 ans, on est à des plus 40 degrés. Et 3, c'est en Champagne, hein, c'est à 160 km de Paris. C'est plutôt l'Est et on est plutôt réputé pour des hivers froids. Donc, la chaleur estivale est un élément que l'on intègre en paramètre. Donc, on met toute une série d'espaces de jeu un peu dans tous les quartiers. L'eau est un vrai sujet. Il faut bien intégrer, c'est vrai également sur cette ville à 15 minutes, tout le grand bassin parisien, dans les 20 prochaines années, va voir les nappes phréatiques descendre de l'ordre de 10 à 15 mètres. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément d'investissements un peu partout en France, de l'ordre de 25 milliards globalement, pour refaire les zones de captage, les distributions, garantir l'eau potable et cet élément. La même priorité, la même intensité est mise autour de tout ce qui est ordures ménagères, assainissement, déchets. Et avec une problématique qu'a évoquée le commissaire Breton sur la période dans laquelle nous nous trouvons, la santé. Et sur cette santé, la raréfaction du nombre de médecins est un problème français, mais je comprends que c'est un problème mondial.
J'ai échangé avec beaucoup de collègues maires. Il y a une bosse démographique sur médecins et on compte beaucoup dans ces usages du numérique et des nouvelles technologies à travers la télémédecine et les applications et la médecine à distance permettre de corriger le tir. Donc, pour résumer, la santé, les services publics de proximité et tout ce qui fait de près ou de loin le cadre général d'un espace de vie protégé pour les générations futures autour de l'eau, de la production de déchets ménagers et industriels et évidemment l'usage de transports en commun qui soit adapté au cadre que nous attendons. Donc c'est un mouvement qui se fera à deux vitesses, plus rapide pour les grandes métropoles, relativement rapide pour les villes moyennes, ce qui est l'essentiel des villes en France, plus lents, mais qui seront compensés par une couverture grâce au numérique et qui permettra d'avoir à chacun cette notion d'équité à la française pour ce qui concerne les prestations de services publics. OK. Thank you. Merci beaucoup. Vous avez une longue liste de choses à faire. Monsieur le commissaire, brièvement, quand serons-nous assis dans des voitures sans chauffeur, par exemple, à Bruxelles ? Cela se concrétisera à Bruxelles, mais pas uniquement à Bruxelles. Je voudrais reprendre là où vous vous êtes arrêté. Je pense aux deux derniers intervenants. Bien sûr, François Baroin a une énorme expérience. Il a été maire des 32 000, enfin de cette association de 32 000 villes. Donc, il a une expérience assez impressionnante. Et en vous écoutant, c'est vrai, vous avez tellement de défis à relever. C'est incroyable. Bien sûr, c'est votre lot quotidien en tant que maire de ville. Vous devez relever des défis. C'est votre tâche. Vous aimiez le passé, vous adorerez l'avenir. Je sais que vous appréciez les défis. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit et je l'ai noté. Transformer les villes, la santé, la proximité, l'approvisionnement en eau, le tourisme, qui est important également. Tout est lié aux villes intelligentes, les transports. C'est d'une importance cruciale. Et c'est vrai, les voitures connectées joueront un rôle important. Quand ? Nous l'avons déjà vu, les premières voitures ont été testées, mais peut-être que dans 3 ans, nous verrons les premières voitures connectées, sans chauffeur. Les voitures ici autoconduites, ce n'est pas tout à fait la même chose que les voitures sans chauffeur, et je parle sous le contrôle d'un pilote. Il ne s'agirait ici que d'avoir qu'un seul pilote, peut-être, dans le véhicule. Intervention hors micro. En tout cas, c'est un énorme défi. Bien sûr, cette transformation, c'est l'histoire de la prochaine génération. Avec l'horizon 2050, c'est pour les 30 prochaines années. Donc c'est le voyage d'une génération tout entière. Mais il faut commencer maintenant. Nous avons les fonds. Nous n'en avons jamais assez, c'est vrai. Mais en tout cas, nous avons des plans. Nous avons les fonds disponibles. Et je parle sous le contrôle de François Baroin, qui a été un excellent ministre des Finances aussi. Aujourd'hui, nous avons ces taux d'intérêt zéro. Alors, pourvu que ça dure. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y franchement. Et une femme attend avec beaucoup de patience à Barcelone, Madame Laia Bonnet. Merci de votre patience. Nous sommes très curieuses d'entendre ce que vous avez à nous dire. Comment est-ce que vous avez fait de la pandémie une occasion à saisir? Merci, bonjour à tous.
Merci, Monsieur le Commissaire Breton, d'avoir organisé cet événement. Alors, je représente non seulement la ville de Barcelone, mais aussi EuroCities, le plus grand réseau d'Euroville. Alors, mon temps est compté, donc j'irai à l'essentiel, avec clarté, je l'espère. À Barcelone, nous réinventons pour une ville plus intelligente, numérique, plus d'espace public pour tous les citoyens, un modèle de mobilité vert avec des transports publics, avoir un modèle économique plus résilient avec la vente au détail, traiter des inégalités qui ont cru durant la pandémie et réglementer les incidences de l'économie de plateforme. La numérisation, bien sûr, est au cœur de tout cela. Nous savons que la transition numérique est pleine d'occasions à saisir. Mais c'est ceux qui s'en sortaient bien qui vont être les premiers à en bénéficier. Réinventer une ville, ça signifie tout d'abord ériger une ville au service de tous. C'est pourquoi nous appuyons les commerces locaux pour qu'ils puissent vendre en ligne, des politiques de numérisation très vastes et larges, et nous érigeons un jumeau numérique qui va nous aider à mettre en œuvre, à concevoir et à mettre en œuvre des politiques plus efficaces pour diminuer les émissions de CO2. Voilà, pour résumer. Alors, continuer comme de coutume n'est pas une option. L'innovation ne fonctionnera pas si elle n'est pas au service de tous dans la ville et si ça ne nous aide pas à décarboner notre économie. Nous savons aussi que nous ne pouvons pas agir seuls. Il nous faut des ressources, bien entendu, mais nous avons également besoin d'être appuyés. La Commission a un rôle essentiel à jouer et c'est essentiel pour nous, les villes qui sont en première ligne de la transition. Soyons appuyés par la Commission quand nous mettons en œuvre des politiques audacieuses qui nous rapprochent plus de nos objectifs communs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous souhaitez réagir très rapidement ? Non, merci beaucoup, Madame Bonnet. Merci également. Je vais remercier chacun d'entre vous, je ne vais pas le répéter, mais je vous admire tous pour ce que vous faites. Je ne parle pas de métier, la mission de maire est ce qui est probablement plus exigeant et probablement la chose la plus importante en politique. Donc merci, et vous avez entièrement raison. Vous avez besoin de ressources, vous avez besoin des bonnes politiques. Nous sommes ici, moi et mon équipe, et c'est pourquoi je veux vraiment un dialogue avec chacun d'entre vous. Nous sommes des décideurs politiques et tout ce que vous identifiez et que nous pouvons mettre en place pour vous aider, eh bien, dites-le, parce que nous pouvons travailler à mettre à jour ce cadre pour vous aider. Vous pouvez entrer en contact avec nous, mais c'est vraiment un message personnel que j'adresse à chacun de vous. Nous sommes ici pour vous aider. Ce n'est pas une approche descendante, c'est une approche ascendante. Dites-nous de quoi vous avez besoin, surtout dans pour ce qui est des politiques. Merci, Monsieur le Commissaire. Nous allons entendre Monsieur Jacob Bundsgaard, maire de Aarhus, au Danemark. Vous aussi, vous attendez patiemment de prendre la parole. Je veux vous poser une question. Alors, vous êtes finaliste, Aarhus, dans le concours pour les villes vertes en Europe. Ah, les efforts que nous avons consentis sont reconnus, rendre la ville plus verte et être un bon exemple pour nos concitoyens et dans la ville. On dit que l'appétit vient en mangeant. Et ça, c'est Monsieur Kerezov. Et ceci se placera au cœur de notre travail, faire de Sofia une ville verte. On a commencé à consentir des efforts en 2020. Nous avons adopté la stratégie pour la transformation verte et numérique, conseil municipal avec différentes parties prenantes et un plan de mise en œuvre de plusieurs années. Comment mettre en œuvre des infrastructures pour faire que Sofia devienne vraiment une ville intelligente.
Nous sommes régis par guidés par trois principes. Implication des parties prenantes, innovation et un troisième principe. Alors pour ce qui est d'impliquer les parties prenantes, nous essayons d'impliquer autant de citoyens que possible afin qu'ils nous donnent leur avis sur les projets en cours et les services que nous offrons et ce aussi lors de la phase de la conception avec des entretiens très poussés, des études sur tout ce que la municipalité fait pour vraiment avoir ses contributions. C'est aussi le cas pour les entreprises, avec un programme au sein de la municipalité permettant aux entreprises de voir quelles technologies peuvent être utilisées pour relever les défis en milieu urbain et pour que l'on ait le meilleur transfert de technologie possible. Alors pour ce qui est de l'innovation en matière de gouvernance, nous avons commencé à nous centrer essentiellement sur des nouveaux membres recrutés, des personnes avec des fortes compétences et des décisions fondées sur des données. Chaque projet est étayé sur autant de données que possible, autant de choses mesurées que possible, avec des algorithmes tournés vers l'avenir et la mise sur pied de ces jumeaux numériques pour les années à venir. Alors nous avons eu de mauvaises expériences par le passé avec la législation européenne qui faisait qu'on avait beaucoup de mal à adopter cette législation dans les délais. On courait après le train. Donc on fait une analyse taxonomique. Les projets d'investissement sur la table pour nous assurer qu'on anticipe la législation. Et quand il y a besoin d'un financement externe pour des projets, eh bien, on est paré. Hier, on a rencontré la Banque européenne d'investissement et on a présenté notre analyse taxonomique s'agissant à l'aune des ODD. Et il s'agit donc de se saisir dans la législation pour la durabilité et ainsi anticiper le mouvement. Quand vous dialoguez au travers de ces enquêtes et de ces entretiens, qu'est-ce que demandent les citoyens et les entreprises ? La plus grande demande adressée à la municipalité, c'est communiquer facilement. Les gens se perdent dans les labyrinthes administratifs et toutes les démarches qu'ils doivent faire. Les personnes sont habituées à des services qui soient intuitifs, faciles. Donc il faut revoir tout cela à la lumière de l'expérience de l'usager. Quand on pense à des projets technologiques, on interroge toutes les parties prenantes pour leur demander qu'est-ce que vous attendez de ces services. Est-ce que vous comprenez les retentissements de certaines technologies sur votre vie? Par exemple, un projet pour avoir des maternelles tout à fait durables et intelligentes. Mais les personnes avaient du mal à comprendre pourquoi on mettait en place des détecteurs pour la qualité de l'air dans les salles plutôt que d'installer directement des filtres pour la qualité de l'air. On a eu beaucoup de mal à communiquer. On est parvenu, au bout du compte. En fait, c'est la concentration de CO2 qui est la plus problématique et pas les particules fines. Un filtre à air ne renseigne pas autant qu'un détecteur. Et ça implique de comprendre ce qu'est la qualité de l'air au quotidien, et ce, dans des salles d'école maternelle. Et ça permet une meilleure gouvernance une fois que les professeurs des maternelles comprennent la conformité à ces règles et ouvrir la fenêtre quand la concentration en CO2 est trop importante. Communiquer avec les parents ici était important pour comprendre, pour expliquer pourquoi on investissait dans des détecteurs de CO2 plutôt que dans des filtres. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous indiquer là où on pourrait vous aider? Alors, vous avez parlé des transports, de l'éducation.
N'oubliez pas la campagne de vaccination à Sofia. Je m'y suis rendue. Je sais que vous êtes actif et vous jouez un rôle éminemment important à cet égard. Nous discutons beaucoup avec toutes les communautés, y compris l'Église. Donc je sais tout ce que vous réalisez. Alors, il est important pour moi et mes collègues de comprendre très précisément les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider? Parce qu'on ne peut pas attendre. Alors, c'est plutôt un problème à l'échelle du pays. L'année dernière, on a eu des secousses politiques. Les villes attendent un financement qui n'est pas encore négocié. Bah, vous allez avoir un Premier ministre très bientôt. Oui, espérons qu'on ait un gouvernement stable très bientôt. Le transport est vraiment un gros défi pour Sofia. Récemment, nous avons mis en œuvre le système intelligent pour le transport dans la ville et les gens peuvent maintenant utiliser différentes méthodes de paiement. Le prix, les tarifs sont optimisés pour le transport dans la ville, mais il faut encore consacrer davantage d'efforts pour que ce soit chaque fois plus vert. Nous pensons maintenant à des projets et on aimerait beaucoup avoir l'aide d'experts et le financement de projets pour s'assurer que les personnes se détournent de la voiture pour préférer les transports en commun ou alors rendre les véhicules plus verts, avec notamment des espaces de stationnement durables. Alors, on regarde du côté de la technologie à l'hydrogène pour les véhicules existants. Mais on a très peu d'expertise dans la ville, dans le pays. Et on a besoin de la bonne expertise là pour nous guider. Et toute aide de la commission ou du réseau nous aidera grandement. Ce serait mieux que je parle avec mon équipe pour voir comment identifier l'expertise dont vous avez besoin. Merci. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous décrivez. La politique en Bulgarie est fascinante, mais c'est un thème pour un autre jour. Jakob Bundsgaard, merci de votre patience. Quels sont vos plans pour la neutralité carbone d'ici 2030 à Aarhus? Merci de cette occasion de me permettre de participer à cette discussion importante et de vous parler de la transition verte et numérique chez nous. La ville d'Aarhus s'est fixé des objectifs très ambitieux en 2008 d'être neutre en carbone en 2030. Nous avons mis en place toutes les étapes. Et maintenant, il nous reste à régler les problèmes les plus difficiles. Il faut accélérer notre transition au cours des années à venir. Et donc, nous nous tournons vers notre communauté locale pour que les citoyens et les entreprises nous fassent part de toutes leurs idées pour passer à la vitesse supérieure. On a eu des élections locales à Aarhus, dans toutes les villes du Danemark, le mois dernier, élection municipale. Et les questions qui ont fait partie du débat portaient sur le climat. La transition verte, comment pouvons-nous contribuer à atteindre les objectifs de diminution de CO2? C'était ce débat-là dans toutes les villes. Et il y a un appui très fort aux politiques pour opérer cette transition. D'après moi, parvenir à un équilibre entre la transition verte tout en continuant à offrir des soins de santé, des soins aux personnes âgées, de bonnes écoles maternelles et tous les services que nous devons offrir en tant que municipalité à nos citoyens, eh bien tout ça est essentiel pour que cette transition conserve sa légitimité. Alors, à Aarhus, nous avons un fonds pour la transition verte qui aide les entreprises locales à investir dans cette transition verte. Autant
pour leur transition verte en tant qu'entreprise, mais également pour aider avec des produits innovants. Je vous donne un exemple. Une entreprise locale nommée Pand est en train de réfléchir à une alternative viable à des plastiques produits avec des matières premières qui ne sont pas d'origine pétrolière. Imaginez si on peut mettre une telle technologie sur le marché. Donc on a aidé pour la planification, réseauté avec nos universités et d'autres entreprises locales. Nous investissons aux côtés des entreprises locales pour suivre la croissance de la ville d'1,5% chaque année et pour répondre aux besoins en logement, en espaces commerciaux. Et ici aussi, on veut assurer la transition verte. Il nous faut de nouveaux matériaux de construction qui est une empreinte carbone la plus faible possible. Nous investissons et nous enquêtons là-dessus aux côtés des entreprises locales et des universités pour être efficace. Alors, un des grands problèmes, c'est le transport. La moitié de nos émissions carbone sont produites par le secteur des transports. Nous avons besoin de l'aide de la Commission et des investisseurs privés pour être dotés des infrastructures nécessaires, le réseau électrique intelligent, une tarification intelligente, une flotte de véhicules verts qui ne dépendent pas des combustibles pétrole. Voilà, ça c'est un grand défi. Il y a tant à faire. Et notre conseil municipal à Aarhus est responsable de 10% des émissions de CO2 dans la ville. La seule façon de parvenir à nos objectifs, c'est d'aller trouver les entreprises locales et de fonder une alliance verte avec les 20 plus grandes entreprises danoises qui ont pris l'engagement d'être chefs de file dans les domaines où elles ont le plus d'expertise pour pousser à la roue et entraîner les autres entreprises locales dans leur sillage pour parvenir à la neutralité climatique. Et nous devons sensibiliser, informer nos concitoyens et combler les lacunes en recourant aux réseaux sociaux, aux actions communautaires, à la numérisation pour rapprocher les décideurs politiques des citoyens et jeter à bas les obstacles afin que ce dialogue puisse avoir lieu. Les citoyens sont prêts. Il nous faut parvenir au bon équilibre, mais il faut agir très rapidement et ça requiert des investissements. Ça appelle de nouvelles idées. Et vraiment, je suis ravie de participer à cet événement aujourd'hui. J'espère qu'on va participer encore plus à l'avenir parce que nous devons vraiment faire circuler nos bonnes idées, être capable de les entendre pour les déployer. Ça va jouer un rôle crucial pour pouvoir répondre à tous les défis. Merci. Votre énergie communicative. Et il est bon, effectivement, d'avoir les citoyens impliqués. Monsieur le commissaire, comment pouvez-vous aider les maires dans ces tâches? De nombreuses choses ont été dites qui nous amènent à réfléchir. Ce qui a été mentionné, justement, ce réseau, j'aimerais reprendre cette idée. Ce sera un sujet important. Il faudra s'en charger. Sur notre continent, nous n'en sommes qu'au tout début. Il faudra trouver des solutions. Il faudra trouver les fonds publics et privés
Il va falloir s'atteler à la tâche immédiatement, puisque c'est un élément clé. Nous savons tous que le Danemark veut parvenir à une transition très rapide avec l'éolienne, entre autres. Imaginez ce qui pourrait être réalisé aussi à Sofia. Il va falloir de toute façon en traiter à l'échelle de l'ensemble de notre continent, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de notes. Je voudrais savoir si, dans la salle ou en ligne, certaines personnes souhaiteraient prendre la parole. Brièvement, deux commentaires. Nous sommes confrontés à un énorme défi. C'est une tentation pour les villes parce que moins de ressources, moins d'argent sont nécessaires. Convaincre ou transformer nos villes en des centres d'exposition. C'est cela le risque. Et nous ne passons pas à un niveau plus élevé, à la grande échelle, pour la mise en œuvre de ces idées. En d'autres termes, c'est ce que vous venez de dire, c'est une approche ascendante. Il faut que les villes se tournent vers le cadre européen. Il ne faut pas seulement travailler sur la base de projets pilotes. Nous avons besoin de projets à très grande échelle pour concrétiser le changement. Bien sûr, il faut moins de législation, moins de contraintes, moins de processus demandant du temps. C'est ce qui cause des retards. Et ces retards signifient une énorme charge à chaque fois que l'on pense à un financement européen. Et je pense, Monsieur le Commissaire, que l'Union européenne devrait s'y attacher le plus vite possible. Merci. Delphine Jamet, maire adjointe de Bordeaux. Madame, allez-y. Donc, je suis adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l'administration générale de l'évaluation des politiques publiques de la stratégie de la donnée et conseillère métropolitaine déléguée au numérique. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vraiment grand honneur pour moi. Les échanges étaient très intéressants. Alors, en bonne française, comme vous avez dit que vous avez besoin d'une liste de courses, moi je vais faire une vraie liste de courses. J'en suis désolée. Et notamment sur un sujet qui me semble fondamental et qui a été dit un peu par tous les intervenants ici, c'est les villes sont au cœur des sujets et au plus près des citoyens. Et aujourd'hui, on est en train de mettre un bon nombre de nos concitoyens à côté de la transition numérique. Et parce qu'on les exclut, parce qu'on a des programmes qui sont compliqués, parce que les lourdeurs administratives, parce que ce qu'on développe n'est pas adapté. Et on a un vrai besoin aujourd'hui, je pense, en termes de ressources, tant en investissement qu'en fonctionnement, que l'Union européenne nous aide sur l'inclusion numérique. Aujourd'hui, ça devient fondamental parce que non seulement on est en train de créer une génération d'enfants qui finalement ne comprennent pas le numérique, ils savent utiliser TikTok, ils savent utiliser Instagram, les réseaux sociaux, mais par contre, l'usage du numérique, remplir un formulaire administratif pour demander un droit, ils ne savent pas le faire. Donc ça, on a vraiment un souci là-dessus et aussi pour les personnes les plus âgées. Et tout à l'heure, on a parlé jusqu'en 2050. J'ai 46 ans, en 2050, a priori, je devrais atteindre pas loin des 70 ans. Je suis une bonne usagère du numérique, je sais m'en servir, mais j'ai beaucoup de gens de ma génération qui ne savent pas très bien s'en servir non plus. Et donc, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à ces générations-là aussi à ne pas s'exclure plus tard. Et donc, on a vraiment besoin, à mon sens, que les programmes européens prennent en considération l'inclusion numérique et à commencer, alors à Bordeaux Métropole, on essaye de développer un observatoire des exclusions, des fractures numériques. Parce que si on a une vision macro au niveau de la France de ce qui se passe, au niveau territorial, c'est plus compliqué. Et donc, je pense qu'on a un vrai sujet où l'Europe pourrait nous soutenir sur ce genre de projet pour avoir une structuration, un accompagnement humain et en investissement peut-être sur un logiciel particulier qui pourrait nous donner tous les mêmes bases sur les mêmes indicateurs pour qu'on puisse se comparer les uns les autres pour savoir où il faut absolument qu'on aille mettre nos efforts pour avoir des politiques impactantes. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et pour finir, je pense qu'il y a un vrai... Enfin, tout à l'heure, ce qui a été dit, oui, en fait, des fois, on ne va pas chercher l'argent de l'Union européenne parce que c'est très complexe.
Et alors nous, on est dans une grosse collectivité, hein, Bordeaux, Bordeaux Métropole, on a les moyens, on a des agents qui sont dédiés à aller chercher des subventions européennes, mais dans toutes les collectivités, ce n'est pas le cas. Et on a besoin effectivement d'avoir plus que des projets... on a besoin de projets impactants maintenant. On n'a plus besoin, entre guillemets, de projets d'innovation, entre guillemets, c'est-à-dire de vérifier si ça marche. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui marchent, mais on a besoin de moyens pour pouvoir les rendre impactants et à plus grande échelle. Donc okay. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Je vais juste finir sur un côté, sur la normalisation. Moi, je pense que l'Europe a tout à fait son rôle à jouer sur la normalisation en termes de numérique, notamment pour rendre un numérique beaucoup plus responsable et avec de l'éco-conception de nos systèmes d'information. Merci. Perfect. Dauphin, jamais... Merci, merci. L'inclusion numérique est un élément important. Monsieur le commissaire, si vous le souhaitez, oui. Et je vais le faire en français. This is Europe. Avec plaisir, c'est l'Europe. Sophia, you speak French. Ah, Sophia, je sais que vous parlez le français. OK. OK, very good. No, but maybe I will do it in... Je vais le faire en français. Vous avez tous les écouteurs. La transition numérique, c'est vraiment au cœur, je l'ai dit, du programme de transformation que porte l'Union et que je porte. Donc, vous frappez à la bonne porte. D'abord, nous avons mis, parce que vous avez raison, il ne s'agit pas là de 2030, 2050. Là, on est sur un horizon à 10 ans. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la décennie numérique, Digital Decade, où on s'est fixé des objectifs très ambitieux. Et alors, on a pris soin de les fixer, du reste, avant... que les États membres reviennent vers nous avec les projets qui soutiennent le plan Next Generation EU, 750 milliards d'euros, c'est pas rien, redistribué aux États membres, et dans lequel nous avons demandé qu'un minimum de 37% des projets soient consacrés à la transition verte, et 20% soient consacrés, et c'est, je vais vous dire que c'est moi qui ai poussé pour les 20%, au début, je vous lirai un petit secret, on n'était pas là. J'ai estimé, alors je n'ai pas réussi à monter au même niveau que mon ami Frans Timmermans, mais quand je regarde l'arrivée, on est pratiquement à 30% là. Donc finalement, on a mis 20%, et quand on revoit ce qui nous remonte, les États membres sont pratiquement à 30%. Mais vous voyez, voilà, c'est la méthode inclusive, on parle, et finalement, on est pratiquement au même niveau. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que dedans, on a mis des objectifs, des KPIs, comme on dit. C'est-à-dire que dans ces KPIs, on a effectivement exactement les sujets que vous l'adressez. Ne laissez personne au bord de la route. C'est un objectif à 10 ans. Sur les 10 ans qui viennent, on veut qu'il n'y ait plus un enfant qui ne sache pas qu'il soit digital illiterate. Donc, on se donne les moyens. Donc là, il faut vraiment vous mettre en contact et je vais vous dire auprès de qui. On a mis aussi des digital hubs avec aussi des structures qui vont permettre précisément de faire cette éducation au plus près du terrain. Alors, on a ces structures qui existent aujourd'hui pour les PME, mais on peut les élargir, on va sans doute les élargir, notamment par rapport à ce que vous dites. Je pense que c'est peut-être bien de les ouvrir aussi au niveau des villes ou des villages, voilà, on va dire d'une façon générale, pas que les grandes villes, parce que c'est là aussi où on voit ce fossé se traduire. Et puis, quand on est effectivement dans une plus petite ville, une plus petite commune, alors on a peut-être quelquefois encore la poste, mais peut-être fois même plus. Et donc, on a besoin d'avoir ce lien avec l'administration. Donc, il faut savoir le faire. On veut aussi, dans notre objectif, que 100% de toutes les transactions, notamment gouvernementales, administratives, soient faites en ligne au plus tard en 2030. Donc, ça fait partie, 100%. Donc, c'est un objectif pour le continent. Hein. Oui, oui, mais vous savez, quand j'étais ministre des Finances et quand j'ai dit on va commencer à passer à la retenue à la source, on m'avait dit c'est impossible. Puis finalement, bon, on l'a fait. Hein. L'impôt par Internet, on m'avait dit non, c'est impossible, monsieur le ministre. On l'a fait, donc voilà. Impossible n'est pas européen, on va dire. Voilà. Donc, en tout cas, dans cet objectif. Alors, vous dites frapper, vous avez raison. Il faut absolument, et moi, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir fait l'effort de passer cet après-midi avec nous, soit offline, soit online, soit ici. C'est très important parce qu'il faut effectivement qu'on ait plus d'interactions en ce moment. Alors, vous avez, je sais, des structures qui représentent vos communes. Par exemple, hier, j'avais le président des régions de France qui était là. Donc, il faut vraiment... Là, les régions, vous faites partie des régions. Hein, donc, il faut, je crois, vraiment utiliser les structures. Et on a besoin d'avoir ces interactions. C'est très important.
D'une façon ou d'une autre, vous êtes représenté ici, vous avez des représentations, n'hésitez pas. Puis nous, on est très ouverts. Hein, on n'est pas fermé uniquement avec un tel, peut parler à un tel. Hein, donc, ce n'est pas le style de... comme on dit, ils disent ça à Bruxelles, Team Breton. Team Breton, c'était... Voilà. Donc, le style est assez ouvert. Donc, n'hésitez pas à venir frapper à nos portes. Et puis, je voudrais dire une chose aussi. Dans ces plans de relance, c'est quand même beaucoup d'argent qui vont arriver en Bulgarie, qui arrive en Grèce, qui arrive en Italie, qui arrive en Espagne, qui arrive au Danemark, qui arrive en France. Beaucoup d'argent. Les États membres se sont engagés déjà. On désenveloppe. Elles sont là. Donc, il faut aussi que vous ayez dans les rapports singuliers que vous avez avec vos propres gouvernements, ils ont des enveloppes. Il faut aller les chercher là aussi. Parce que nous, on va vérifier que ce sur quoi ils sont engagés, ils le font. Et dans ces enveloppes, quand on a 30% pour faire de la transformation numérique, veillez qu'il n'y ait plus de illiterate et veillez qu'on fasse 100% des transactions en ligne, on va demander des comptes. Donc, il y a la pression qui vient du haut, il y a la pression qui vient du bas et il y a de l'argent au milieu. Donc voilà, je vous donne aussi un peu la clé à faire dans ce moment singulier. Je voulais juste vous dresser ce panorama parce qu'on a les mêmes objectifs, on a les moyens et il faut savoir maintenant accrocher ces projets le plus vite possible. Et nous, on a besoin aussi que vous, comment dire, que vous challengez un peu. Je suis un ancien ministre des Finances, donc il faut aussi challenger le ministre des Finances. Allez-y. Dites-lui, mais attendez, moi j'ai vu le commissaire, il m'a dit que vous aviez des enveloppes, là, alors elles sont où? C'est pour, voilà, moi j'ai un projet, il m'a dit que vous pouviez me financer. N'hésitez pas à m'utiliser, puis s'il y a un problème, je donnerai un petit coup de fil, voilà, et puis on essaiera de trouver les solutions. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, monsieur Breton. Je me tourne à nouveau vers Barcelone. Madame Bonnet, je sais que vous vouliez être présente parmi nous aujourd'hui, mais vous n'avez pas pu. Oui, je voulais répondre à cette invitation du commissaire concernant le rôle que la Commission peut jouer pour ces villes intelligentes. Et ce n'est pas facile ici, sans parler de financement. Ce n'est pas le financement quand même en soi qui fait la différence. C'est plutôt ce que nous sommes à même de faire avec ces fonds et que nous ne pourrions pas faire autrement. Il s'agit donc d'innovation, de tester de nouvelles solutions. Et ça, c'est très difficile de faire pour un gouvernement local, pour une administration locale. Nous répondons à divers besoins et nous sommes sous-financés la plupart du temps. Donc c'est vrai, l'argent est important, mais quand on parle d'innovation, la Commission non seulement a un rôle à jouer pour le financement de projets pilotes et de solutions, mais également pour les faire passer à une plus grande échelle. Souvent, ce que nous voyons, c'est que l'on teste des projets pilotes pendant 2-3 ans et puis on a des résultats et point final, c'est fini. Peu importe que ce projet pilote ait réussi et ait été concrétisé ou efficace. Là, la Commission a un rôle à jouer pour diffuser ces résultats et pour utiliser les résultats de ces programmes et pour se tourner vers des villes avec des défis comparables en leur disant « Nous allons vous aider pour développer vos propres projets ». La réglementation joue également son rôle. Très souvent, à Bruxelles, les gens oublient qu'il s'agit d'un service public. Et la façon surtout dont les services publics fonctionnent, les textes que vous préparez à Bruxelles doivent tenir compte de la façon dont les choses se font à Bruxelles et dans les villes. Il faut que dans le processus de conception, nous soyons pris en considération dès le début et pas seulement à la fin du processus. Je sais que la politique à Bruxelles est très complexe, mais inclure les besoins des citoyens et des villes dès le début débouchera sur des réglementations plus efficaces. Merci. Le commissaire Breton est en train de prendre des notes de tout ce que vous avez dit. Merci, merci pour nous avoir rejoints virtuellement depuis Barcelone. Nous ne nous sommes pas coordonnés ou mis d'accord pour dire la même chose au préalable. Merci, mesdames et messieurs. Merci, messieurs, pour votre présence à Bruxelles.
Nous étions tous très heureux de vous avoir parmi nous. Merci, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour les citoyens européens et pour les villes européennes. C'est un travail très dur, mais c'est un travail très gratifiant que d'être maire. Dans quelques minutes, nous allons parler du rôle des données pour les villes intelligentes. Mais tout d'abord, nous allons regarder un message vidéo du maire de Oulu, qui est l'un des membres fondateurs de Living in EU. Sous présidence finlandaise, ce projet a été lancé et a permis de mettre en place en décembre 2019 Living in EU. Ensimmäinen allekirjoittaja Join Boost Sustain -deklaraatiossa. Allekirjoitus tapahtui Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana Oulussa järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa, joka kokosi asiantuntijoita, julkisen sektorin edustajia ja yrityksiä ympäri Euroopan pohtimaan yhdessä, mitä tarkoittaa eurooppalainen digitaalinen siirtymä, missä vaiheessa olemme nyt ja mitä kohti haluamme kulkea. Olemme halukkaita jakamaan kaikkia oppimaamme. Nous avons l'intention ici de partager tout ce que nous avons appris dans le cadre de cette transition numérique. Et la seule façon, c'est de travailler ensemble dans un esprit d'ouverture, dans l'intérêt de chacun et chacune d'entre nous. L'une des principales valeurs de l'Union européenne, c'est l'égalité. Notre continent est prospère, mais nous avons de nombreuses régions en développement autour de nous. Tous les habitants de l'Europe devraient certes profiter de la transition numérique. Et nous, à Oulu, nous sommes prêts à aider tous nos concitoyens européens. Un outil important pour cela, c'est le réseau des eurovilles, des eurocités. La coopération européenne vers cette transition numérique a besoin d'aller encore plus loin. La concurrence redouble et, par exemple, nous avons les États-Unis et la Chine face à nous qui investissent énormément dans ce domaine. Nous avons la recherche sur les projets phares de la 6G qui, naturellement, est au centre des réflexions à l'échelon international. Mais en même temps, nous nous préoccupons du niveau de ressources que nous octroyons à la recherche fondamentale en Europe. Il est essentiel de garantir une position fer de lance dans les secteurs que nous avons choisis. Nous avons ici un avantage concurrentiel en Europe, mais cela signifie que chaque Européen doit profiter de la transition numérique. Il doit avoir une meilleure condition de vie et profiter de la croissance. Si nous arrivons à renforcer nos meilleures pratiques depuis ici la Laponie jusqu'au fin fond de l'Europe, de l'Atlantique jusqu'au Balkan, nous aurons réussi. Mais cela nécessite véritablement un partage d'informations, d'expériences, de meilleures pratiques. Cela nécessite également un financement pour la transition numérique à tous les niveaux, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche et développement la plus pointue par le biais de tests de phases pilotes menées par les villes. Et bien sûr, il faut mettre en œuvre les résultats en tant que service par le biais de différentes plateformes. Cela nécessite un financement pour mettre en place l'infrastructure numérique. J'espère que toutes ces questions pourront être abordées aujourd'hui et approfondies. Oulu est fier d'être membre de cette communauté rassemblée aujourd'hui à Bruxelles. Et je souhaite que cette réunion d'aujourd'hui soit couronnée de succès. Tous nos voeux de réussite depuis ces Lumières du Grand Nord. Merci, merci pour ce message de la part de la région de Oulu. Merci pour ce message merveilleux. Maintenant, le moment est venu de prendre le rôle des données pour mettre en place ces villes intelligentes. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue ici à Madame Amel Zenati, conseillère de la ville de Grenoble. Nous avons également Monsieur Mohamed Ridouani, maire de Louvain. Vous êtes présent parmi nous en salle, merci. Et à distance, nous avons le maire d'Helsinki, Juhana Vartiainen. Bonjour monsieur, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et madame Kata Tutu, qui est maire adjointe de Budapest. Bonjour madame. Et Carmen Cavalliera, vice-président de la région de l'Alentejo. Nous sommes très heureux de vous avoir en personne parmi nous aujourd'hui madame. Commençons. Qu'en est-il ici de vos premiers pas dans cette sphère numérique, madame? Allez-y. Good afternoon, and thank you very much
Le micro de l'oratrice, malheureusement, n'est pas branché. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui m'a accueillie. Merci pour cette invitation. Et je vais passer aux Français, si vous êtes d'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Et je voulais excuser le maire de Grenoble que je représente aujourd'hui. Je suis aussi très heureuse de représenter tout le territoire grenoblois. Et je tiens à vous dire que Grenoble est capitale verte pour l'année 2022 et que nous vous invitons à venir à Grenoble justement pendant toute l'année 2022 pour participer à cet événement qui met en valeur et qui met en exergue les engagements de toutes les villes et de tous les territoires sur l'écologie et je dirais les questions des changements climatiques globalement. Donc pour répondre à votre question, donc Grenoble, le territoire tout entier, donc est engagé sur les questions du numérique et les moyens mis en place sont juste très importants. Donc pour la ville de Grenoble, nous, dès 2014, donc, il y a eu deux sujets qui étaient très importants et qui ont été le cœur des politiques publiques que nous avons lancées. C'est le premier, c'était le déploiement des logiciels libres. Et quand on dit déploiement des logiciels libres, on pense souveraineté. Et donc la souveraineté numérique, pour nous, elle est très importante. Et il y a notamment la protection des données personnelles, donc sur laquelle on peut être fier qu'au niveau de l'Europe, on a clairement une législation qui protège les données personnelles. Ça, c'est un important point. Le deuxième point, le deuxième volet sur lequel l'engagement, le territoire s'est engagé, c'est l'ouverture des données. Et donc l'ouverture des données publiques, ça s'est fait sur deux volets. Donc le premier, c'est l'ouverture des données, plutôt des documents publics. Et donc là, pour Grenoble, nous avons très rapidement mis en place les outils qu'il faut pour que tous les documents soient accessibles et que les citoyens puissent savoir clairement ce qui se passe dans leur municipalité et aussi toutes les décisions politiques qui sont prises. Après, on s'est doté aussi d'un site ou d'une plateforme d'open data, ce qu'on appelle une plateforme open data, où en fait, pour le coup, la ville de Grenoble et son centre d'action sociale et la métropole de Grenoble ont très vite permis l'ouverture de données brutes. Donc, les données brutes sont, pour ceux qui... Enfin, c'est des données qui ne sont pas formatées, mais par contre, elles doivent être retravaillées pour enlever les données personnelles, notamment. Donc, ça, c'est les deux, je dirais... sujet ou les deux volets sur lesquels nous avons travaillé très vite. Et je tiens juste à revenir sur le déploiement du libre donc, et l'open source. La ville de Grenoble est à 100% en libre pour les écoles primaires. Et nous avons commencé aussi en interne de l'administration l'utilisation de la bureautique libre aussi avec d'autres logiciels qui sont utilisés au sein de la collectivité. Il y a aussi une étude que nous lançons qui est celle de passer sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent Windows, mais là, pour le coup, c'est Linux.
et ce qui va nous permettre quelque part d'actionner la souveraineté numérique de notre territoire, qui est un sujet très important. Parce que quand on adresse le sujet de la souveraineté, ça veut dire qu'on a la capacité de configurer, on a la capacité d'utiliser le matériel qu'on a et de l'exploiter et de ne pas être tout le temps en mode changement de matériel d'aggraver, on va dire, notre empreinte numérique par rapport à notre environnement. Nous avons aussi souhaité la participation des citoyens, donc via des plateformes numériques aussi. Donc, je peux citer par exemple Volontaires Solidaires ou une plateforme pour les jeunes, donc Jeunes-Grenoble. Et là, pour le coup, ces deux plateformes-là ont servi à nos concitoyens d'être en relation pendant la période du Covid, pendant les confinements, ce qui nous a permis en fait d'avoir de la continuité de l'entraide et du soutien des uns et des autres. Perfect. And as we heard, of course, in the first panel about the Oui, on l'a entendu lors du premier panel, être à l'écoute de vos besoins. Merci de ces commentaires liminaires. Vous avez parlé de souveraineté numérique. C'est un sujet d'actualité. Le commissaire Vestager y travaille. Et nous allons maintenant à Louvain. Monsieur Ridouani. Oui, bonjour à tous. Félicitations d'avoir organisé cet événement très important et d'avoir donné une plateforme d'expression aux villes sur les questions très importantes. Je suis maire de Louvain, qui est probablement la plus au cœur de l'Europe. C'est à 30 km de Bruxelles, au nord, et nous sommes une ville riche, avec une très grande brasserie, Stella Artois, et une grande université, l'Université catholique de Louvain, à la réputation mondiale. Nous avons une ville compact, avec une grande concentration de compétences. Un habitant sur trois est soit étudiant, soit chercheur. Et ça a une grande incidence sur l'organisation de la ville et la vision de la ville. Nous voulons être une ville durable à la qualité de vie la plus élevée, demandée par nos habitants. Un des programmes que nous avons, pertinent aujourd'hui, c'est Louvain 2030, qui est un modèle de gouvernance, en quelque sorte, et qui, de façon systématique, implique que le conseil municipal collabore intensément avec les universités, les instituts tels que IMAC, avec nos entreprises, nos start-up, nos citoyens. Et le conseil municipal délègue des compétences en matière climatique et d'innovation à des organisations. Et c'est un processus de décision conjoint avec des rôles clairs. Tout le monde peut devenir membre, tout le monde peut appartenir au comité directeur. Mais pour éviter de prétendre être vert, il faut des plans qui tiennent la route. Et donc, pour que nos villes soient neutres pour le climat, c'est quelque chose de très complexe, de très exigeant, mais il faut une ambition commune de toute la communauté. Et au fil des ans, nous avons beaucoup accompli. On a changé totalement l'organisation de notre trafic. Si vous vous rendez à Louvain, vous n'avez pas à faire attention aux voitures en ville. C'est les vélos qui sont rois et les piétons. On a investi beaucoup en renouvelables, en gestion des déchets. Et pour ce qui est des données, je reprends mon compte ce qui a déjà été dit. Nous investissons dans de nombreux projets tels que celui que vous avez mentionné, monsieur le commissaire, les jumeaux dans les villes, pour tester dans un environnement numérique certaines applications, certaines mises en œuvre. On modélise le trafic. Qu'est-ce que ça implique pour la sécurité? Qu'est-ce que ça implique en termes de bruit, de pollution sonore, d'émissions? Et tout ceci modélisé
avec le numérique. Nous collectons énormément de données de nos citoyens et ils sont tout à fait partants pour ça. Un projet intéressant, c'est We Count. Nous comptons. Les habitants, grâce à une technologie développée par une start-up, spin-off d'une université, mettent un petit appareil sur leur fenêtre qui compte le nombre de voitures qui passent, le nombre de piétons, le nombre de cyclistes qui passent. Et donc, on a un recensement des passages. Et donc, quand on veut améliorer le trafic, on peut compter sur ces données-là. Alors, pour résumer, les objectifs fêtiers nous ont amenés à collaborer de façon structurée, pas à tâtons, et ce que nous voulons éviter, c'est les barrages par la détention privée. La plupart des logiciels que nous utilisons sont en source ouverte, accès libre. Il y a beaucoup de gens brillants qui développent des applications, des logiciels, les améliorent, que ce soit ouvert, gratuit, et avec la cybersécurité. Là, je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Ah, c'est très éclairant, merci. La ville que vous représentez, Louvain, est au cœur de ce que l'on fait de mieux en Europe en matière de semi-conducteurs. Vous avez parlé d'IMAC. Bon, sans rendre personne jaloux, eh bien, en matière de semi-conducteurs, c'est le leader mondial. Alors, il y a deux technologies qui sont complémentaires et aussi en concurrence. Et vous êtes très fort en semi-conducteurs. Et Grenoble aussi. Bon, je parle en termes de centre de recherche. Quand on parle d'IMAC, c'est probablement le leader mondial à l'heure actuelle. En recherche et développement, pour la recherche fintech. Bon, ceci dit, tout l'écosystème évolue et change dans vos deux villes. Vous avez mentionné des choses très importantes. Les villes vont générer des avalanches de données. Et les citoyens sont disposés à partager ces données. Alors, il y a la législation sur les données. On apporte la dernière main pour accélérer ce processus, pour vous permettre d'utiliser ces données facilement, les partager. Et ne pas être lié à un fournisseur. Si vous avez des requêtes, on est en train d'apporter les dernières retouches à cet acte législatif sur les données. C'est le moment, hein. C'est le moment. Dites-nous si vous avez des choses à demander, parce que vous avez besoin de ces données pour offrir des services et des services supplémentaires. Donc moi, je me tiens totalement à votre côté. Aisé, facile, gratuit et sûr. Beaucoup des services que vous allez offrir et prester à vos concitoyens et à la population doivent être absolument sûrs. Et c'est bien que vous ayez mentionné la cybersécurité. C'est un grand thème d'actualité sur lequel nous travaillons avec mon équipe dans une ville intelligente, parce que c'est ça dont on parle finalement. Tout service numérique constitue sa surface de vulnérabilité. C'est pas uniquement les universités, la mairie, c'est partout. Et donc, c'est un environnement holistique sur lequel nous travaillons avec mon équipe à la DG Connect pour vous aider afin de vous
offrir les bons outils, les bons modèles, pour que vous puissiez développer les bons services. Donc, création de données, partage de données, accès gratuit et protégé. Oui, c'est bien noté. On y travaille déjà. Mais si vous avez des choses à nous dire là-dessus, n'hésitez surtout pas. Merci, monsieur le commissaire, oui. Alors, nous allons à Helsinki. Monsieur le commissaire dit, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle avec des données. C'est, vous parlez algorithme, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, ça fait partie de tout son discute. Monsieur Johanna Vartiainen, maire d'Helsinki. Ah, encore une ville très intelligente, dit le commissaire. Voilà, je suis maire depuis 4 mois seulement, donc il faudra accepter que pour moi, c'est toujours une phase d'apprentissage. Mais depuis quelques années, 5 ans, notre ville a entrepris des investissements majeurs dans les technologies digitales. Et moi, je crois que dans quelques années, je serai définitivement mieux informé. Mais comme vous avez indiqué, monsieur le commissaire, les années qui viennent de passer, là, on a surtout été préoccupé par la pandémie. Mais en revanche aussi, il est clair que la pandémie nous a fourni des leçons qui seront valables même après la pandémie. Comment communiquer avec les citoyens dans des conditions exceptionnelles comme ça? Comment organiser l'instruction des enfants à distance? Comment gérer les données sur les vaccinations des différents groupes dans la ville, etc., etc. Donc, on est très content de votre initiative et ces discussions sur la digitalisation seront certainement vraiment très utiles. Donc, merci pour ça. Je suis très heureux de pouvoir participer ce soir. Let me switch to English since I made some notes. Alors, je vais passer à l'anglais puisque j'ai pris quelques notes en anglais sur ce que nous avons fait. Je vais vous donner des exemples de ce que nous voulons réaliser avec nos technologies numériques. Une réforme essentielle vise à mettre en place des services proactifs pour les citoyens. Ça peut paraître menaçant ou étrange, mais quand on examine les services dont nos citoyens auront besoin, et que nos citoyens aujourd'hui ignorent, ils ne savent pas qu'ils en auront besoin à l'avenir, essentiellement des services de santé. Donc, sans mettre à mal la confidentialité des données de nos citoyens, nous tentons de les aider pour identifier les besoins et les services dont ils vont avoir, qui vont émerger à l'avenir. Il y a quelque chose qui me paraît très important. Je suis économiste de formation et c'est la création automatique de données sur notre productivité. Nous voulons pouvoir faire rapport sur nos sites internet de nos mesures de productivité. Les temps d'attente, par exemple. Combien faut-il attendre pour avoir un rendez-vous avec un médecin, pour obtenir un permis de construire ou toute autre démarche administrative? Et j'aimerais bien que nos citoyens mettent au défi notre administration pour améliorer notre productivité afin que l'on offre de meilleurs services à nos citoyens. Mais je l'ai dit, nous en sommes au développement de technologies génériques qui ensuite peuvent être appliquées à différents domaines et lors de réformes successives.
On a déjà une pénurie de main-d'œuvre et de compétences dans les services de soins à domicile, dans la gestion des ressources humaines. Ce serait un sujet intéressant pour les années à venir. La gestion numérique va s'avérer importante et surtout l'utilisation, l'aménagement du territoire. Et l'utilisation des sols et l'affectation. Où placer nos logements, nos constructions résidentielles, nos espaces commerciaux, nos espaces de bureaux pour tirer le meilleur parti de l'espace qui est disponible et comment placer toutes ces constructions et toutes les infrastructures dont on a besoin. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, nous avons une entreprise de développement qui examine les technologies numériques et les véhicules automatisés, comme par exemple des petits bus dans les centres-villes, où en général les rues sont étroites et où ces bus sans conducteur peuvent se faufiler avec adresse. Et donc, on peut penser à des flottes de tels véhicules pour le transport public plutôt que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais voilà, je suis en train d'apprendre. Je suis en phase de rodage. Voilà, je m'en tiens là. Après cet échantillon, ce panachage de ce que nous faisons, merci beaucoup. Merci pour votre intervention en français et en anglais. Maintenant, prenons Budapest. Avec Kata Tuto, maire adjoint de la ville de Budapest. Et puis, vous avez face à vous aujourd'hui le commissaire prêt à vous écouter. Merci. C'est parfait d'être dans ce panel. Donc, je vais m'en tenir à ce que l'on m'a demandé. J'aborderai des éléments que nous n'avons pas abordés pour la transition verte. Alors, ce qui est vert, ce sont les arbres urbains dans les villes. Et ce que nous faisons maintenant, c'est de faire une cartographie de cet environnement urbain avec les arbres. Nous avons ici Google, nous avons des cartes en trois dimensions avec ces arbres. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier ces arbres, les espèces par exemple. Et qu'en est-il de l'état de santé de ces arbres? C'est une nouvelle façon de regarder les arbres, de prendre leur valeur. Normalement, la valeur d'un arbre pour une ville, c'est quel est son coût pour le planter et pour surveiller sa croissance. Mais il faut changer de paradigme et voir le bien que cela signifie pour les citoyens. Grâce à l'intelligence artificielle et à la cartographie, nous nous demandons, par exemple, qu'en est-il de l'ombre dans un espace urbain et qu'en est-il de la chaleur dans cet espace urbain. Nous saisissons la capture du CO2 par cet arbre et la façon dont il fixe la poussière et ce qu'il en est de la vaporisation grâce à cet arbre. Nous avons ainsi une autre perspective pour ces arbres urbains. Nous réfléchissons à l'endroit où nous allons les planter. Où manque-t-il des arbres? Ce qui va nous donner une nouvelle perspective pour ces villes. C'est un exemple que nous voulons transmettre. Nous travaillons sur cela. Nous espérons avoir de bonnes données. Mais j'ai une autre casquette. Je suis membre du comité des régions également. Et quand on parle de collecte de données, il faut parler de données désagrégées, nous et hommes ou femmes. Alors, nous avons ici le pacte vert qui est aveugle en faisant cette différenciation homme-femme, aveugle au genre. Donc, sommes-nous prêts à transformer complètement nos villes? Oui, grâce à la facilité, relance et résilience, mais nous n'avons pas creusé la question de savoir
comment les hommes et les femmes utilisent les espaces publics, ce qu'il en est ici de la pauvreté énergétique avec ce fossé homme-femme. C'est vrai, nous collectons des données, mais il faut collecter des données sur la façon dont les hommes et les femmes utilisent les villes. Quels sont leurs différents besoins ? On parle beaucoup de nouveaux emplois verts, de la numérisation et de ces nouveaux emplois, mais il y a un fossé entre les hommes et les femmes dans cette nouvelle numérisation. Ce n'est pas nouveau, mais dans la budgétisation, il faut en tenir compte. Et quand on parle de stéréotypes, ce sont des éléments à prendre en considération. Et puis, pour cette facilité de relance et de résilience, vous avez mentionné Budapest et les grandes villes. Eh bien, les grandes villes ont été mises entre parenthèses dans ces plans, dans le plan de résilience et de relance hongrois. Or, nos ambitions, nos plans, nos solutions sont absolument absentes de ce plan hongrois de relance et de résilience. Merci, merci pour ces éléments très directs. Monsieur le commissaire, vous souhaitez peut-être ici parler de cette mission lancée la semaine dernière avec ces villes qui doivent être neutres d'un point de vue climatique. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Carmen Carvalera, qui attend patiemment. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Madame Carvalera, vice-présidente de la région d'Alentejo. Alors, qu'en est-il, Madame, justement, de ces objectifs ? Je vais commencer en anglais, simplement pour ici vous féliciter pour l'organisation de cet événement d'aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et maintenant, je passe au portugais, parce que je suis plus à l'aise en portugais. L'Alentejo n'est pas une ville. Et l'oratrice se reprend puisqu'elle a commencé en anglais. L'Alentejo n'est pas une ville. En fait, c'est un tiers de la superficie du pays, c'est une région avec de nombreuses spécificités, une grande variété de dans sa structure. La gouvernance de cette région implique de saisir différentes réalités et dimensions. Et le défi que constitue la transition numérique et verte, c'est concilier nos ambitions d'avoir des politiques plus vertes, mais c'est vraiment une tâche colossale pour chacun des acteurs qui portent cette transition. Pour ce qui est de la transition numérique, alors c'est un territoire, une démographie vieillissante, et donc il faut s'assurer que l'on apporte le numérique aux plus jeunes comme aux plus âgés. Les jeunes, ça veut dire avoir les compétences numériques, et pour les personnes les plus âgées, c'est leur permettre de gérer les nouvelles technologies. La COVID a apporté son lot de grandes difficultés, mais aussi a le mérite d'avoir précisé le fait que si nous sommes capables de nous saisir des nouvelles technologies, nous ne resterons pas sur le bas-côté. Et donc, il faut effectivement qu'on ait le loisir de parler de toutes les difficultés. Et cet événement le permet. Nous devons nous assurer que nous avons une couverture Internet bonne dans toute la région. Nous avons une faible densité de population. Les gens sont très dispersés sur le territoire. Aucune de nos villes ne peut être considérée comme une grande ville. Ce sont des villes de dimension moyenne. Il faut donc pouvoir promouvoir les politiques de villes intelligentes, smart cities, pour les convertir en politiques de smart region, région intelligente. Nous avons un projet à l'horizon à moyen terme qui veut créer des communautés intelligentes avec en prenant tous les domaines, la distance, le tourisme, la santé,
Comment faire du tourisme un outil important pour la transition numérique en nous centrant sur les données? Comment collecter les données dont on a besoin? Comment créer des plateformes de données dans ces différents domaines et ensuite les interconnecter, les relier et disposer des bonnes informations sur tout le territoire? Et comment le territoire est composé et quels sont les liens entre les différentes zones de ce territoire? Il y a aussi la question de la mobilité qui est essentielle pour nous. Et c'est pourquoi la Commission de développement et coordination régionale de la Lintège gère une plateforme de mobilité qu'on fait évoluer pour la mobilité en tant que service en associant tous les modes de transport qui existent sur le territoire. Et nous allons associer à cette plateforme qui en est à sa première phase la notion de transport à la demande. Alors, c'est nécessaire pour des territoires à faible densité. Et c'est l'idée de couvrir tout le territoire et d'aller trouver tous les citoyens, quels que soient leurs moyens financiers et où qu'ils vivent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de démarrer une association de véhicules électriques dans cette plateforme. On va compter les émissions de CO2, mais aussi de l'économie que cela permet de réaliser en recourant à ces véhicules électriques. Il y a aussi l'hydrogène qui va être inclus et toujours en collectant les données, parce que c'est essentiel dans tous ces domaines, notamment pour comptabiliser les épargnes et comparer ce qu'auraient été les dépenses en combustible d'origine fossile, leur impact sur l'environnement, comptabiliser tout ça et comparer et voir où nous devons encore faire des progrès. Nous avons un autre grand défi qui a à voir avec l'adaptation climatique. Alors nous sommes une région dotée de peu de ressources en eau. Ça doit donc être inclus dans toutes nos politiques. Nous avons mis sur pied un forum régional d'économie circulaire directement articulé sur les politiques nationales. Nous sommes là aussi actifs. La modératrice. Mais je sais que vous avez de nombreuses remarques à faire, mais vous étiez en train de finir. Vous avez ici sans doute des choses importantes à dire, mais je voudrais ici donner la parole au commissaire pour qu'il puisse communiquer avec vous. Ces projets visent toujours l'identification de bonnes pratiques et leur dispersion dans tout le territoire, chaque fois qu'elles peuvent être mises en pratique. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant de vous écouter et d'entendre parler de vos défis. Vous avez mentionné les personnes âgées. Alors, Monsieur Breton, justement, comment les intégrer? Ceux qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas accès à l'Internet et qui ne savent même pas comment l'utiliser s'ils ont un accès. C'est une question extrêmement intéressante et importante. Il y a la dimension régionale parce que tout est étroitement lié. Vous le savez parfaitement. Dans vos villes, quand on parle du verdissement, il s'agit de verdir les villes. Tout doit être pris en considération dans cette transition numérique. Il est important d'avoir les deux aspects. Vous avez parfaitement raison. C'est la décennie numérique qui doit garantir un accès pour tout le monde. C'est extrêmement important. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe votre âge, votre condition, nous devons faire en sorte que vous ayez accès à cela. Et c'est intégré dans nos politiques. Mais permettez-moi de revenir quelques instants sur ce qu'a dit
le maire d'Helsinki et la maire adjointe de Budapest, donc Buda et Pest, les deux côtés donc de la ville. Je ne veux ici faire aucune ségrégation, quelle qu'elle soit. Et puis aussi avec la vice-présidente de la région de la Lentejo, Carmen d'ailleurs. Vous avez un très bon commissaire avec Madame Ferreira, qui a un esprit très critique, qui est là pour vous aider également, non seulement pour le Portugal, mais pour tout le monde, comme chacun et chacune d'entre nous. Elle sait parfaitement ce que vous faites, elle suit de très près tout ce que vous réalisez. Les fonds structurels, d'ailleurs, c'est elle qui les gère. Mais en un mot commençant, suite à ce qui vient d'être dit pour ce deuxième panel, j'aimerais faire quelques commentaires. Tout d'abord, suite aux propos du maire d'Helsinki. Moi, je ne parle pas le finnois aussi bien que vous parlez le français, donc je ne connais que Juana comme mot, je n'irai pas plus loin. Je dirai simplement Juana, votre prénom, je ne me lancerai même pas dans la prononciation de votre nom de famille, mais une telle initiative pour collecter les données sur la productivité, sur les différents types de pénuries est importante. L'un des autres éléments importants pour nous, ce serait quelque chose à prendre en considération en amont. Si maintenant, vous vivez cela, il est important que nous soyons informés. Nous devons l'introduire dans notre chaîne de réflexion dès le début. Juana a parlé des compétences, et il a parfaitement raison. C'est un goulet d'étranglement, nous le savons. Il faut avoir les bonnes compétences, il faut aussi être concurrentiel. Et c'est quelque chose que nous devons suivre de très près, avec le plus grand soin. En tout cas, c'était intéressant de vous entendre parler de cela. Nous devons pouvoir être à même d'utiliser toute alerte précoce. Nous savons que ce sera une décennie cruciale que celle qui nous attend. Et honnêtement, je suis commissaire jusqu'à la fin de 2024, donc utilisez-moi comme bon vous semble. Mon successeur sera bien plus performant que moi, mais enfin, pour l'instant, c'est à moi que vous avez affaire. Et la décennie numérique, lorsque j'abandonnerai mon mandat, ne sera qu'à mi-parcours. Il n'y a pas une seconde à perdre. Et ce n'est pas mon intention ni mon habitude pour ceux qui me connaissent de perdre une seconde. Donc, avançons rapidement tous ensemble. Autre point important avec Kata. Vous me permettez d'utiliser votre prénom, mais bon, tuto, ça va, c'est facile à prononcer. J'ai bien compris votre message, incluant votre dernière déclaration. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais je voudrais juste me concentrer sur ce que vous avez dit sur les arbres et le verdissement des villes. C'était extrêmement intéressant. En effet, le verdissement des villes est essentiel. Et j'ai aimé la façon dont vous avez évoqué ce point. C'est extrêmement important pour se protéger contre les effets du changement climatique, avec les vagues de chaleur qui nous frappent. Vous avez utilisé les termes qu'il fallait. Et d'ailleurs, ces 100 villes neutres sur un plan climatique, justement, qui ont été mentionnées précédemment, eh bien, cela vient d'être lancé. Donc, posez vos candidatures. C'est une bonne initiative que cette initiative. Ce n'est pas une compétition, non. Mais c'est quand même une bonne façon pour vous d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous voulez en faire partie. J'espère que vous poserez vos candidatures pour vos villes. Et c'est une initiative extrêmement importante. Bien sûr, Carmen, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut tenir compte de la diversité des communautés. Il y a des petites villes avec également
des sous-centres urbains, des régions, l'élément de connectivité est essentiel. Il y a un autre projet que nous défendons bec et ongle et qui sera important pour la connectivité. Si vous n'avez pas trop de problèmes de connectivité, c'est peut-être moins pertinent, mais quand vous vous éloignez de plus en plus d'une ville, là, le problème de connectivité, de connexion par satellite, tout cela entre en ligne de compte. Et c'est cela que nous voulons réaliser sur le terrain. Et je défends ce genre de projet. J'espère que vous soutiendrez mon initiative en la matière, parce qu'il non seulement il faut avoir un accès partout, mais là, je parle ici au maire de Leuven. Vous êtes ingénieur, non, économiste? Oh, ce n'est pas si éloigné, finalement. C'est déjà très bien d'être économiste. Avec une connectivité satellitaire que nous voulons mettre en place, je rejoins ce que vous avez dit sur les technologies quantiques, sur la cybersécurité, incluant les services de la 5G ou de la 6G, qui seront extrêmement importants pour les villes. Vous voyez que nous avons toutes ces initiatives qui s'imbriquent les unes dans les autres. Malheureusement, nous pourrions y passer beaucoup d'après-midi, mais nous sommes un peu limités dans le temps. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Je voudrais toutes et tous vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Vous avez d'énormes responsabilités. Vous avez fait l'effort de venir. Je trouve un gros effort quand même, hein. Ça va, c'est à 30 km. C'est 30 km from Leuven, ça va. Bon, ce n'est pas très loin, Leuven. Bon, pour certains, c'est un petit peu plus difficile. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir participé à cette réunion. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui ont participé activement, en ligne aussi, ou en présentiel. Alors, mon message est simple. Gardons le contact. Nous sommes à votre disposition. Toute idée, toute initiative que vous avez, toute demande, c'est le moment de nous les transmettre. Nous rassemblons toutes ces idées et je sais qu'en fin de compte, nous gagnerons cette transition numérique, nous la réussirons, et cette transition verte également, uniquement avec vous à nos côtés. Là encore, une fois de plus, vous êtes sur la ligne de front. Nous sommes là pour vous aider, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, pour votre présence, pour ce panel très interactif. Je vous présente mes excuses parce que de nombreuses personnes voulaient intervenir. Il y avait sûrement des questions en ligne de Rian Van Damme, par exemple. Mais malheureusement, le temps presse. Nous n'avons plus de temps. Merci, monsieur le commissaire. Merci, Madame Zenati, conseillère à Grenoble. Merci également au maire de Leuven. Merci à la Finlande, à Monsieur Juana Vartianen. Merci, Madame Kata Tuto. Merci à Madame Carmen Carvalera. Merci pour votre présence. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Merci à l'équipe technique. Merci aux participants, à ceux qui nous ont suivis. Et merci à tous. Merci.